Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance concernant les femmes. Donc, on va voir ce qui va se passer sur le plan sentimental ou professionnel. Pour la femme blonde, on va voir. Pour la blonde, avec la peau blanche. Peuvent être aussi du signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce tirage. Je vois donc que vous n'êtes pas bien, vous avez des conflits, mais c'est des conflits. Entre vous, vous êtes bloqué, vous pensez à un homme brun. Vous pensez à un homme brun, vous pensez à la chance que vous avez avec lui. Vous n'êtes pas bien, vous avez des problèmes et vous allez avoir de la joie au niveau sentimental. Si vous pensez à un homme brun avec la peau donc brune et que vous êtes blonde, vous allez avoir de la chance. Mais vous pensez à cet homme brun, vous allez avoir de la chance après avec lui. Peut-être que vous n'êtes pas bien, vous pensez à vous mettre en couple avec lui. En tout cas, pour l'instant, votre situation est bloquée avec lui, mais vous y pensez. Hein, et vous n'êtes pas bien. Votre cœur est bloqué pour une administration, pour un problème administratif peut-être. Eh bien, sachez que vous allez avoir de la joie après, que ça va se résoudre. Vous allez parler avec un homme, justement, de ce papier administratif, et peut-être que vous êtes en attente de résultats de santé, vous n'êtes pas bien concernant de la santé, et du coup, vous attendez des résultats, mais sachez que ça va arriver et qu'un papier va arriver très prochainement, très rapidement. Vous allez avoir une réponse concernant des résultats ou bien des suites d'examen. Voilà concernant le tirage qui peut être du signe taureau, vierge ou capricorne. En sachant que vous pensez à une brune aussi, une femme brune que vous allez voir prochainement. Donc on va voir si on a un petit message pour vous du signe taureau, vierge ou capricorne. Est-ce qu'on a un signe pour vous? Pour les blondes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière, revenu sur terre pour enseigner l'amour. Donc, voici votre message. Voilà, donc si vous avez, si vous vous retrouvez là-dedans dans cette carte, sachez que c'est surtout à viser d'amour et que du coup, il ne faut pas avoir peur de l'amour, que vous êtes centré, serein et bienveillant. Car vous devenez alors un modèle de paix divine. Vous n'avez besoin ni de parler ni d'écrire un livre, ni de travailler comme thérapeute pour affecter les autres de manière positive. Voilà, donc ce qui veut dire que vous êtes bénéfique, en tout cas rayonnant d'amour, ce qui permet d'aborder un petit peu mieux l'avenir concernant le côté sentimental. Voilà, donc, ou les personnes du signe taureau, vierge ou capricorne. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner à la chaîne. Donc, à bientôt.